Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Je suis M. Tueno Hugues Boris, enseignant de génie civil. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le module dévier estimation. Nous allons commencer par la présentation du programme. Le programme, en termes de sommaire, nous allons commencer par la présentation du programme. Les objectifs et compétences visées, ensuite les prérequis. En termes de présentation générale du programme, il s'articule autour de 4 items. Les relations trigonométriques, l'établissement des rapports entre volume et le poids d'un corps, le calcul des composantes des éléments du béton armé et le calcul des éléments d'armature. En termes d'objectifs et compétences visées, à la fin de ce cours, on devrait être capable de déterminer le sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente d'un triangle quelconque. Utiliser également la trigonométrie pour résoudre les problèmes du triangle. Déterminer la masse volumique d'un corps et la densité, sa densité et son volume. On devrait être capable aussi d'établir la relation entre le volume et la masse d'un corps. Nous continuons également toujours avec les objectifs et les compétences ciblées. On devrait être capable de déterminer les composantes du béton en volume et en poids, déterminer les quantités d'acier dans un élément simple en béton armé, résoudre les problèmes d'évaluation des quantités de matériaux pour un projet donné. En termes de prérequis, avant de commencer le programme de quatrième année, nous devons avoir maîtrisé les notions d'unité système internationale, les formules de calcul de volume et de surface des solides géométriques, les formules de calcul de surface des solides circulaires et sphériques. Nous allons commencer notre séance par l'étude des exemples et définitions. Le plan du cours s'élabore ainsi qu'il suit. On va commencer par les objectifs, les prérequis. On va analyser une situation problème qui va nous permettre d'entrer en gros dans le cours. Ensuite, nous allons passer aux activités d'apprentissage. Nous allons finir par un résumé et ensuite passer aux exercices d'application et les devoirs. En termes d'objectifs ici, qu'est-ce que nous allons être capables de faire? Nous devons être capables de définir la notion d'angle et citer les angles particuliers que nous rencontrons. En termes de prérequis pour cette séance, nous devons maîtriser la notion de serrement de droite et la notion d'origine. La situation problème que nous avons est celle-ci. Il s'agit d'un élément de serrement d'implantation. Nous avons les points A, B et C qui représentent les sommets du triangle. A, B, C, B, C, A et C, A, B représentent les différents angles du triangle ABC. Donc il est question pour nous ici de quoi? Il est question ici pour nous de reconnaître les différents angles que nous retrouvons sur notre triangle. Les questions auxquelles on devrait être capable de répondre sont lesquelles? Il s'agira pour nous de nommer les différents types d'angles
que nous rencontrons sur notre figure, retrouver la valeur de ces différents angles et indiquer la nature du triangle dont il est question ici. En termes de notion d'angle, qu'est-ce que nous allons dire? Un angle est défini par l'intersection de deux demi-droites. Dans notre cas ici, nous avons le segment de droite OB et le segment de droite OA. Leur intersection forme un sommet et au droit de ce sommet, nous avons un angle. Notation d'angle. En termes de notation d'angle, nous allons noter qu'un angle se note à l'aide de trois lettres. Ici, dans notre cas, nous avons le segment OA, le segment OB. Donc, la notation d'angle ici, c'est AOB. O ici représentant le sommet, l'angle que vous voyez au sommet là. Voilà. Nous allons continuer ici là en définissant la notion d'angle particulier. Qu'est-ce qu'un angle particulier? Un angle particulier, c'est un type d'angle qui se reconnaît par sa mesure particulière. Nous avons quoi? Nous avons ici, par exemple, un angle droit. Au sommet haut là, nous avons 90 degrés. Nous avons un angle nul au sommet, nous avons 0 degrés. Nous avons un angle plat au sommet, nous avons 180 degrés. Nous avons un angle obtus qui est inférieur à 90 degrés et un angle pointu, obtus qui est compris entre 90 degrés et 100 degrés. Les angles complémentaires. Ici, là, il s'agit de quoi? Il s'agit de deux angles pour lesquels l'addition donne 90 degrés. Dans notre cas de figure, vous voyez que nous avons un angle noté alpha et un autre noté bêta. La somme de ces deux angles donne bien 90 degrés. Par exemple, si nous avons un angle alpha qui vaut 33 degrés et un autre bêta qui vaut 57 degrés, la somme des deux angles, 33 degrés plus 57 degrés, donne 90 degrés. Là, dans ce cas, nous savons que nous avons affaire à un angle, à deux angles complémentaires, donc qui se complètent en termes d'addition, et leur addition vaut 90 degrés. Nous avons ici pour la suite les angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Par exemple, si on a un angle de 124 degrés, son supplémentaire est un angle de 56 degrés. Donc, vous voyez là que nous avons la somme 126 degrés plus 54 degrés qui donne 180 degrés. Sur notre figure là, vous observez que on a un angle alpha, la partie bleue, et un angle bêta, la partie rouge. Leur somme donne bien 180 degrés. Donc, c'est de cela qu'il s'agit ici là, les angles supplémentaires. Nous allons continuer ici avec la nature d'un angle. Préciser la nature d'un angle équivaut à quoi? Préciser la nature d'un angle, dans notre cas, signifie qu'il faut indiquer s'il est aigu, obtus, droit ou plat. Dans le cas d'exemple que nous avons là, nous avons un triangle ABC. Le triangle ABC contient un angle obtus et deux angles aigus. L'angle obtus ici, c'est lequel? L'angle obtus ici, là, c'est l'angle ABC. L'angle aigu ici étant l'angle ACB. Et l'angle droit étant l'angle CAP. Donc, presque l'angle rectangle que nous voyons là. Nous allons continuer notre présentation avec la mesure d'angle. L'unité conventionnelle de mesure d'angle utilisée couramment pour les angles est le degré. Il se note degré. Degré, c'est-à-dire le chiffre avec un indice de petit 0 au-dessus. 1 degré, par exemple, c'est 1 et le petit indice 0 que vous voyez au-dessus là. Et les angles se mesurent grâce à quoi? Les angles se mesurent grâce au rapporteur. Nous allons voir l'image du rapporteur dans la suite de notre séance. Le rapporteur est l'instrument qui permet de mesurer les angles. Chaque gradation représente un degré.
on peut mesurer de 0 degré à jusqu'à 180 degrés. Nous avons pour la suite là l'image du rapporteur. Vous voyez que là, il part de 0 à 180 degrés. Mais il permet également de mesurer les angles qui dépassent cette valeur, soit à plus de 180 degrés, en fonction de la position sur l'origine, qui est un des segments de l'élément de mesure. Nous allons continuer notre séance avec le tracé des bisectrices. La bisectrice d'un angle, c'est quoi? La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux parties égales. C'est-à-dire que si on a deux segments de droite, la bisectrice ici consiste à tracer le segment qui va diviser ce segment en deux angles de même valeur. Pour la suite de notre séance, nous allons voir comment tracer une bisectrice, c'est-à-dire à partir de points de rencontre de deux segments, nous allons apprendre à tracer la bisectrice de n'importe quel type de segment. Ok. La construction d'une bisectrice se fait à l'aide de quoi? De matériel principal qui est le compas et une règle. Nous avons par exemple ici devant nous un segment APB. APB. Et nous avons la demi-droite AB et la demi-droite PB. Le point de rencontre est le point P. Nous avons là sur la figure la méthodologie qui va nous permettre de tracer la bisectrice. La bisectrice, comme nous avons dit, c'est le segment qui divise l'élément en deux angles égaux. La méthodologie, c'est la suivante. Nous allons alterner entre les pages précédentes et la page suivante. Il s'agit ici de pointer le compas suivant une mesure quelconque sur le segment PA. On trace un demi-A comme ce que vous voyez là. Ensuite, aller sur le segment PB, tracer également le même segment. À partir de ces segments-là, toujours en gardant la même valeur du compas, on trace encore un autre segment en mettant la pointe sèche du segment sur la demi-courbe qu'on a eue précédemment. Quand vous vous mettez là au point A, par exemple, là où on a eu la rencontre, on trace un autre demi-segment de courbe. Ensuite, on se positionne encore sur l'autre segment B. On trace encore une demi-courbe. Et là, on a une intersection. À partir du sommet du triangle, on projette le segment de droite là pour obtenir la bisectrice. Et si vous vérifiez avec votre rapporteur, vous allez constater que les mesures à gauche et à droite représentent la même valeur. Donc voilà la méthodologie pour tracer une bisectrice. Nous allons un peu nous reprendre là très rapidement. Pour tracer la bisectrice d'un segment, qu'est-ce qu'on fait? Vous ouvrez votre compas d'une certaine valeur équivalente au segment que vous avez. L'ouverture ne doit pas être assez grande. Elle doit pouvoir se rencontrer quelque part sur le segment que vous avez. Vous mettez la pointe sèche sur le sommet de votre élément. Ici, dans notre cas, c'est le point P. Vous mettez la pointe sèche du compas, vous tracez. Vous avez un point de rencontre sur le segment AP. Ensuite, vous recherchez l'intersection sur le segment PB. À partir de ces deux segments obtenus, de ces deux points de rencontre, vous mettez toujours votre pointe sèche du compas sans modifier la graduation que vous avez choisie précédemment. Vous pointez, vous tracez encore un demi-arc, comme vous voyez là. Là, vous voyez quelque part là, on a un point O là. C'est-à-dire, vous allez tracer un demi-segment, un demi-arc de cercle à partir du point A avec la pointe sèche du compas sur le point A. Ensuite, vous vous mettez sur le point B, vous tracez encore un autre demi-arc de cercle. Le point de rencontre est nommé ici O. Et à partir du sommet B, vous tracez la droite qui passe par ce point de rencontre et vous avez la bisectrice de votre élément.
Donc voilà la méthode qui est assez simple. Nous allons voir ça dans les exercices pour la suite de notre séance. Donc, nous avons fini ici avec la notion de bisectrice. Nous allons un peu résumer en gros ce que nous avons fait. La notion d'angle renvoie à quoi en général? La notion d'angle renvoie à l'intersection de deux demi-droites. Donc, vous avez par exemple une demi-droite AB et une autre demi-droite BC. L'angle représente quoi ici? L'angle, c'est le sommet B là. Vous avez un angle qu'on va appeler ici ABC. ABC, B étant le sommet, donc le point de rencontre des deux demi-droites AB et BC. Il existe plusieurs types d'angles comme nous avons vu dans le cours. Nous avons les angles droits, les angles obtus, les angles plats, les angles aigus et les angles nuls. Il existe également des angles dits supplémentaires et complémentaires. Qu'est-ce qu'un angle supplémentaire? Les angles supplémentaires, c'est les angles pour lesquels la somme donne 180 degrés. Et les angles complémentaires, c'est les angles pour lesquels la somme donne 90 degrés. Il se complète. Et la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. Donc voilà la notion de bisectrice que nous avons rappelée et que nous avons vue. Nous avons vu tout à l'heure comment se construit une bisectrice. Nous allons passer actuellement aux exercices d'application. Les exercices d'application vont nous permettre de conforter ce que nous avons vu tout à l'heure. Le premier exercice, il s'agira d'identifier sur une figure les angles droits, les angles aigus, les angles obtus et les angles plats. Voilà la figure que nous avons là. Nous avons ici une figure qui contient plusieurs angles, types d'angles. Nous avons là l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle X, l'angle D, l'angle W, l'angle E, l'angle G, l'angle F, l'angle H, l'angle R, l'angle I, l'angle J, l'angle K. Donc, il s'agit pour nous ici dans cet exercice de reconnaître ces différents angles en fonction des notions que nous avons développées tout à l'heure. Nous allons donc passer à la résolution de l'exercice très rapidement. Ici, là, nous allons donc déterminer les différents types d'angles. En tant qu'angle droit, nous avons l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle E, l'angle H et l'angle K. En termes d'angle aigu, nous avons l'angle D, l'angle F et l'angle J. En termes d'angle obtus, nous avons l'angle I, l'angle G, l'angle W et l'angle X. Et en termes d'angle plat, nous avons l'angle R. Vous voyez bien là, R. L'angle R est un angle plat. Donc, cet exercice nous a permis de reconnaître les différents types d'angles, notamment les angles droits, les angles aigus, les angles plats et les angles obtus. Donc, c'est très important de bien reconnaître les différents types d'angles. Nous allons passer ensuite à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est le tracé de la bisectrice. Il s'agit ici pour nous, à l'aide de notre compas et notre traceuse, de tracer la bisectrice du segment 6 contre. Nous avons le segment PX et le segment XO. Le point de rencontre, c'est X. L'angle peut être noté OXP ou PXO. Nous allons donc utiliser la méthodologie que nous avons apprise tout à l'heure lors du tracé de la bisectrice tout à l'heure dans la leçon. Nous allons, à l'aide d'un compas, tracer un arc qui touche les deux segments. Donc, comme je vous ai dit tantôt, vous ouvrez simplement votre pointe, votre compas et vous mettez la pointe sèche du compas sur le point X, l'intersection. À partir de ce point, vous tracez un repérage sur le segment XP et ensuite un autre repérage sur le segment XO. À partir de ces deux repérages, vous gardez toujours votre pointe sèche du compas
ouverte comme elle était au départ. Vous voyez donc, vous mettez votre pointe sèche sur le point de rencontre de tout à l'heure. Vous tracez encore un arc de cercle. Le premier arc de cercle à partir du premier point de rencontre sur le segment XP. Ensuite, vous mettez votre pointe sèche du compas sur le deuxième point sur le segment XO. Là, vous voyez les deux cercles bien définis. Cette fois-ci, nous avons choisi de dessiner le cercle entièrement. À partir de ce tracé et à partir du point X, nous allons tracer la droite qui quitte de l'intersection du sommet X jusqu'au point d'intersection que nous avons eu tout à l'heure avec notre traceuse dans ce cas. Voilà le résultat et la droite que nous obtenons partant du sommet X est la bisectrice. Donc voilà le tracé de la bisectrice que nous avons obtenu à l'aide de notre compas et la traceuse, tout simplement. C'est les deux matériels dont on a besoin. Donc je reprends là très rapidement pour le tracé de la bisectrice. On repère le sommet, on ouvre le compas d'une certaine dimension, on positionne la pointe sèche du compas sur le sommet X. On repère le point d'intersection sur le segment de droite XP. Ensuite, on garde la pointe sèche du compas sur le sommet X et on repère encore sur le segment XO. À partir de ces deux points de rencontre, en gardant la pointe sèche du compas, en gardant le compas toujours ouvert comme il était précédemment, on se place sur le point de rencontre XP du premier segment. La pointe sèche du compas est placée sur le point de rencontre. On trace un cercle entier. On se déporte ensuite sur le deuxième segment XO. Sur le point de rencontre de tout à l'heure, on trace encore un autre cercle. À partir du sommet X, on trace le segment de droite qui va passer par le point de rencontre de tout à l'heure et on obtient donc la bisectrice que voici. Nous allons maintenant passer à la phase des devoirs. À l'aide de ton rapporteur à la maison, tu devras être capable de mesurer les différents angles sur la figure qui apparaissent là. Nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figures. Il est question pour toi de mesurer les sommets chaque fois et de remplir la bulle. La bulle qui apparaît là, tu notes l'angle que tu obtiens à l'intérieur pour les 8 figures que nous avons sur notre page là. Donc ce sera assez aisé. Il suffit simplement de bien positionner l'origine de votre rapporteur sur chaque sommet chaque fois et de lire l'angle que vous obtenez. Vous allez retrouver les différents types d'angles que nous avons obtenus tout à l'heure en fonction des valeurs. Vous lisez, vous placez votre compas, vous lisez et vous remplissez les différentes bulles que vous voyez au droit de chaque schéma. En termes de bibliographie pour cette séance, nous avons utilisé le document Math 4e sans complexe de Walter Paul Como et le guide des métiers du bâtiment de Lionel de Konick. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre séance, étude des angles et définitions. La prochaine séance portera sur la conversion entre les différentes unités d'angle. Ngani la kiri wa tegendong Ese kina bia jinkido Mane tambia ninyane injobia yen Tamtama mote tamzabike Tamtama tonge tamzabike Tamtama mote tamzabike Mane tambia ninyane injobia yen